Raymond Thierry, président de la Concorde Terrassonnaise, est-ce que cette rentrée 2024-25 s'est bien passée ? Oui, ben tout à fait, ça s'est bien passé, puisque on a le beau temps qui est revenu pour aujourd'hui. Et puis ça s'est bien passé, puisque par le biais de la fête des associations, on a recruté une musicienne qui va nous rejoindre dès vendredi prochain à la salle de musique, donc tout va pour le mieux. Au niveau adhérent, on est une vingtaine, de musiciens. On n'est pas très nombreux, si on était plus nombreux ça serait mieux, mais bon, la chose la plus importante c'est qu'on est une association, on s'entend bien, il y a une bonne convivialité et on essaie de faire pour le mieux pour, voilà, et les projets bien sûr, mais c'est le Téléthon qui va arriver en fin du dernier week-end de novembre. Et la Sainte-Cécile que nous allons faire donc le samedi 7 décembre à Condat-sur-Vézère, à l'église, avec une messe et puis un petit concert en sortie de messe. Et ensuite le repas traditionnel avec les conjoints, comme on fait tous les ans. Alors les répétitions ont toujours lieu donc à la mairie, salle Roger Delors, sous la mairie. Et c'est le vendredi, donc à 20h30, tous les vendredis. Alors, il y a des cours de musique avec la Concorde Terrassonnaise, avec, je vois, Cyril, qui est professeur de trompette. Oui, alors Cyril de la Hamed, effectivement, qui est un membre de la société, est professeur de musique et il enseigne notamment la trompette. Et également Alfred Cutina, qui, lui, enseigne la flûte traversière, la clarinette et le saxophone. Disons qu'on peut commencer les cours à partir de septembre. Et bien sûr, après, il faut avoir au moins 2 ans de pratique dans ces cours pour pouvoir commencer à intégrer la société. Merci Raymond Thierry. Donc, vous êtes toujours président, vous tenez bon. Ça fait combien de temps vous êtes à la Concorde Terrassonnaise ? Alors, je vais vous dire, je vais vous parler de l'année prochaine. L'année prochaine, ça fera 70 ans que je suis à la Concorde Terrassonnaise. J'ai appris la musique à l'âge de 9 ans avec M. Chéniaud, Yves Chéniaud, qui a été un chef renommé et connu sur le terrassonnais. Et donc ça fera 70 ans, ça fait 69 ans cette année. Il y a les concerts aussi, on n'en a pas parlé, le soutien au Téléthon bien sûr qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Alors le Téléthon avec René Bourjade, on a un partenariat depuis une quinzaine d'années et tous les ans on participe pour faire en sorte que le faire entrer un peu d'argent pour le Téléthon. Et on chante avec Serge des années 60, 70, 80 et plus pour aussi le Téléthon. Et donc tout ça, c'est René Bourjade qui chapeaute tout ça. Merci à vous. Merci Raymond Thierry. C'est moi qui vous remercie, Alex.